Bonjour à tous, je m'appelle Valentin, je suis éducateur à l'UFOLEP 89. Une vidéo la semaine dernière a été postée sur la page YouTube et le Facebook de UFOLEP 89, n'hésitez pas à aller la voir. Nous sommes dans la thématique de rester en forme durant cette période difficile, ce confinement, en espérant que les choses vont changer très vite. Pour cela, aujourd'hui, ça va être une petite séance sur un circuit training basé sur 3 séries. Je vais vous accompagner sur une série, comme la semaine dernière. Le but, vous allez avoir en matériel besoin d'un tapis, d'une bouteille d'eau et pour finir, d'un chrono, d'une montre ou d'un chronomètre, c'est comme vous voulez. Une petite précision par rapport à ces vidéos qui vont être publiées chaque semaine, une vidéo par semaine, n'oubliez pas, ce sont des vidéos accessibles à toutes et à tous. Que vous soyez très sportif ou peu sportif, vraiment ce seront des exercices très simples que je vais complexifier ou simplifier en fonction de votre niveau, vous allez voir. Donc pour cette semaine, nous allons être sur un circuit training de 3 séries avec 6 exercices. La semaine dernière, nous étions sur 30 secondes de travail et 15 secondes de récupération. Cette semaine, attention, petite augmentation. Nous allons passer à 35 secondes de travail et toujours 15 secondes de récupération. Pour le premier exercice, nous allons partir sur les squats. Nous allons mettre les pieds largeur d'épaule. Pas trop loin, ni trop rapproché, vraiment largeur épaule. On va venir descendre les fessiers et les genoux ne doivent pas dépasser les pointes de pied. On est parti pour 35 secondes. Le dos bien droit, on fixe un objectif en face. Voilà, comme ceci. Sur la montée, on pense bien à expirer. Et sur la descente, on inspire. Allez, on pense bien, c'est les fessiers qui descendent. Voilà. Ok. Allez, 5 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Ok. C'est bien, on pense bien. Hop. 15 secondes de repos. Là, c'est le deuxième exercice. Ce sont les fentes arrière. Nous allons venir travailler les ischios derrière. Donc là on est parti, hop, les deux pieds collés, le but, on va venir descendre sur les côtés, la jambe droite et la jambe gauche alternée. Le genou ne doit pas toucher par terre, ne doit pas toucher le sol. Hop, c'est parti. La respiration. Allez, 5 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Ok. Et sur le troisième exercice, nous allons travailler un petit peu le cardio. On va partir sur des montées de genoux toutes simples. Le niveau le plus basique, le plus facile. Hop, on va venir lever le genou droit, le genou gauche. Voilà. C'est vraiment le niveau basique. Pour les plus sportifs, nous pouvons être en mouvement. Buste bien droit, on fixe un point. Et toujours en mouvement. Hop, on est parti sur 35 secondes. Top, c'est parti. On vient souffler. Allez, on gère son rythme. Toujours, on va bien à son rythme, très important. Allez, 10 secondes. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. Ok. Ok, on peut marcher sur place. Pour le quatrième exercice, nous allons voir tout ce qui va être axé sur la ceinture scapulaire ainsi que la ceinture abdominale. Nous allons partir en position planche. Sur les coudes, le but, on va venir relever les fesses au sol. Là, les pieds, on peut les mettre sur le talon et on va rester comme ça en position pendant 35 secondes. On met le chrono et top, c'est parti. Allez, on pense bien à lever les fesses. On pense bien à inspirer, expirer, très très important. Allez, on gagne bien la ceinture abdominale. Hop.
Ah, mais on a fait plus de la moitié. Allez, 10 secondes. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok. Ok, on relâche bien. On peut faire des rotations des épaules. Ok. Pour le cinquième exercice, nous allons travailler toujours sur la ceinture abdominale. Le but, on va venir se mettre en position pompe. Main sur le sol, bras légèrement tendus. On va se mettre en position pompe pour les plus sportifs. Si, pour les moins sportifs, si c'est un peu trop compliqué, on peut venir mettre les genoux au sol et on va vraiment juste travailler comme ça. Ensuite, pour les plus sportifs, on va venir faire des pompes. Donc là, pareil, pensez très bien. Allez à votre rythme, c'est le plus important. Hop, c'est parti pour 35 secondes. Allez, on pense bien. Dès qu'on monte, on inspire, on expire. Ok. Allez, ça doit bien chauffer là. Allez, là, il reste 5 secondes. Hop. Ok, top. Allez, on relâche bien. On pense bien souffler. Pour le sixième exercice, nous allons venir travailler les épaules, les ischio-jambiers et enfin, toujours le gainage des abdos. Le but, on va venir mettre le dos bien droit, les mains au sol, les genoux au sol, toujours le regard bien droit. On va venir lever la main droite ainsi que la jambe gauche. On repose. Main gauche, jambe droite. Et on alterne. Allez, c'est parti pour 35 secondes. Top, c'est parti. Allez, on prend son temps. On gagne bien les abdos. Hop. Allez, on essaye d'avoir bien son équilibre. Ok. On revient à la respiration. Ok, top. Donc voilà, la première série est terminée. Pensez à bien vous hydrater entre chaque série, entre chaque exercice. Pareil, pensez bien aux 15 secondes de récupération, c'est très important. Et entre chaque série, vous faites une pause d'environ 2 minutes. Pensez bien à la fin de cette séance de procéder à une séance d'étirement qui va durer une dizaine de minutes. Je vous laisse donc continuer les deux séries suivantes. Je vous invite donc à remettre la vidéo pour pouvoir procéder au visionnage. On se dit à très vite pour de nouvelles vidéos. N'oubliez pas, une vidéo sera publiée par semaine sur la page YouTube de l'UFOLab89 ainsi que sur la page Facebook. N'oublie pas, il faut se bouger. On se dit à très bientôt. Au revoir.